Bonjour tout le monde and welcome to our press conference on the autumn economic forecast 2019. The press material is all published now, as is the forecast. You'll also find material outside the press room, and I'll hand over the floor immediately to Commissioner Moscovici. Bonjour à toutes et tous. Ravi de vous retrouver pour ces prévisions d'automne 2019 de la Commission européenne. J'avais fait mes adieux à la salle de presse il y a un mois. Et puis finalement, je suis encore là. C'était un peu imprévu. J'avais, dans une conférence de presse à la fin de l'Eurogroupe, dit que je saurais que j'étais commissaire européen tant qu'il y aurait des journalistes italiens pour me demander des nouvelles du budget italien. Je les attends, car je suis encore commissaire européen. Mais je suis prêt aussi à donner des nouvelles d'autres budgets, en tout cas prêt à affronter des questions là-dessus, car ce n'est pas le sujet du jour. Quels sont les principaux messages des prévisions pour 2019 et aussi pour les deux prochaines années, 2020 et 2021 ? D'abord, on peut dire que les fondamentaux de l'économie européenne restent robustes, aussi bien en 2019 qu'en 2020 et en 2021. Ce sont encore des années de croissance qui nous attendent et des années de croissance dans tous les pays de la zone euro. Le marché du travail a également poursuivi son amélioration. Il devrait rester relativement favorable sur la période. Et de même, le déficit public en zone euro serait toujours contenu et ne devrait pas dépasser 1% du PIB d'ici 2021, ce qui prouve que les efforts qui ont été demandés payent leurs fruits et se traduisent dans la durée. Deuxièmement, et je veux immédiatement mitiger ce que je viens de vous dire, la croissance européenne est freinée incontestablement par les tensions, par les incertitudes commerciales qui s'ajoutent à la faiblesse de la demande mondiale et aussi à des changements structurels. Et tout ça pèse en particulier sur l'industrie manufacturière. Troisièmement, l'inflation a connu une tendance baissière en 2019, ce qui reflète principalement la chute des prix de l'énergie, le ralentissement de l'activité économique, l'atténuation des pressions externes sur les prix devrait maintenir l'inflation de la zone euro à un niveau bas pour plus longtemps, soit 1,2% cette année et l'an prochain, et 1,3% en 2021. Tout ça, bien sûr, a des conséquences sur la politique monétaire. Ce n'est pas ici qu'elle se fait, mais c'est vrai que quand on parle d'un régime de taux bas pour longtemps, on n'est sûrement pas loin de la vérité. Quatrièmement, nous prévoyons que la croissance restera modérée, mais positive dans tous les États membres. La croissance économique de la zone euro devrait atteindre 1,1% cette année, 1,2% en 2020 et 2021. Et dans l'Union européenne, au sens large, la croissance devrait atteindre 1,4% pour chacune des années de prévision. Enfin, je ne peux pas cacher que pour l'avenir, de nombreux risques à la baisse continuent de peser sur les perspectives économiques, une nouvelle hausse de l'incertitude, une nouvelle accentuation des tensions commerciales ou géopolitiques, encore un ralentissement plus marqué que prévu de l'économie chinoise. Tout ça, ce sont les principaux risques externes. Du point de vue interne, le risque d'un Brexit désordonné ne peut pas être encore totalement exclu, tandis que la contraction dans le secteur manufacturier pourrait contaminer le secteur des services qui soutient la croissance des activités qui sont moins concernées que d'autres par l'industrie manufacturière. Après 6 années de croissance robuste, je le disais, l'économie européenne est entrée dans une période de croissance modérée maintenant. L'économie a ralenti au deuxième trimestre 2019 et pour ce qui nous concerne, nous pensons qu'il est peu probable qu'elle se redresse ou rebondisse à court terme. Ceci est d'ailleurs déjà confirmé par la dernière estimation flash d'Eurostat, selon laquelle la croissance trimestrielle en zone euro est restée stable à quelque 0,2% au troisième trimestre 2019 et les indicateurs disponibles suggèrent une tendance en gros similaire pour le quatrième trimestre. Au total, après une croissance de 1,9% l'an dernier, nous prévoyons un ralentissement en zone euro à 1,1% cette année, et une croissance, disons, à peu près identique en 2020 et 2021. Et c'est peut-être ce qui marque le plus nos prévisions de ce trimestre. Cette absence de rebond marque un changement
par rapport à nos précédentes prévisions. Ça reflète les chocs subis par la zone euro et nous savons que l'impact de ces chocs mettra du temps à s'effacer. Donc nous entrons dans un nouveau régime de croissance plus modéré et c'est le signe d'une nouvelle période. Je reviendrai sur les causes de tout ceci dans un instant. La consommation privée devrait toutefois rester solide et c'est elle qui soutient la croissance. Le pouvoir d'achat des ménages serait soutenu par une croissance de l'emploi qui continue de se déployer et une hausse des salaires dans un environnement de faible inflation et de coûts d'emprunt historiquement bas. Les mesures budgétaires prises dans certains États membres devraient également aider à soutenir la croissance. Les investissements des entreprises, en revanche, risquent de pâtir de l'incertitude accrue et de la faiblesse du commerce mondial. En revanche, il y a des conditions de financement très favorables et le soutien de divers régimes tels que le Fonds européen pour les investissements stratégiques, ce sont des facteurs qui peuvent, au contraire, contribuer à soutenir l'investissement. Il est toutefois peu probable que tous ces facteurs de soutien à la demande intérieure soient suffisants pour stimuler la croissance d'ici 2020 et en 2021, un rythme qui soit significativement plus rapide que cette année, des tensions commerciales persistantes, des incertitudes politiques, des changements structurels. Je pense à la préférence des consommateurs dans l'industrie automobile qui assurément se modifie. Tout ça risque de placer l'Europe sur une trajectoire, je le redis, de croissance modérée au cours des prochaines années. C'est ça, sans doute, je le répète, l'enseignement principal de ces prévisions. L'économie européenne, d'abord dans son environnement, elle est impactée par le ralentissement mondial. Durant l'été, l'intensification des tensions, des incertitudes commerciales, au premier chef entre les États-Unis et la Chine, ont eu d'ores et déjà des répercussions négatives au niveau mondial. Par conséquent, les perspectives de croissance de l'économie mondiale ont été fortement revues à la baisse et la contraction du secteur manufacturier que j'évoquais d'un mot reflète ces tensions et se prolonge dans un climat d'incertitude. Ça devient maintenant une donnée qui est plus structurelle. La décélération de l'économie américaine, d'après nos prévisions, est de nature essentiellement cyclique. Ce n'est pas le cas pour nous du ralentissement de la Chine qui, elle, est maintenant ralentie par des facteurs structurels comme le vieillissement de la population et comme un endettement élevé. Et ceci explique assurément la volonté des autorités chinoises d'assurer un rééquilibrage de l'économie en réduisant le surinvestissement. Enfin, le potentiel de rebond des économies émergentes est désormais amoindri par les tensions commerciales, par des conditions de financement plus dures dans ces économies et par les prix modérés des matières premières. Toutefois, la mise en place de politiques économiques de soutien à la croissance dans un certain nombre de pays, et ça inclut les États-Unis et la Chine, de même que la vigueur des marchés du travail et des conditions de financement favorables devraient limiter l'ampleur de ce ralentissement de l'économie mondiale. Dans l'ensemble, pour ce qui nous concerne, nous estimons qu'après avoir progressé de 3,8% l'année dernière, la croissance économique mondiale hors Union européenne devrait se réduire à 3,2% cette année. Pour 2020 et 2021, la croissance devrait légèrement augmenter jusqu'à 3,3% et 3,4% en 2020 et 2021. Vous noterez que nous sommes un peu plus optimistes sur ce plan que d'autres institutions internationales. Dans ce contexte, la croissance du commerce mondial a considérablement faibli au cours de la première moitié de l'année 2019, sans qu'aucun signe de redressement ne soit encore visible. Cette faiblesse a coïncidé avec un ralentissement prononcé de la politique de la production industrielle et de l'investissement au niveau mondial. La contraction que j'évoquais des importations des économies émergentes a toutefois été plus importante, notamment en Chine et parmi les économies asiatiques. Les importations des économies avancées ont mieux résisté grâce au phénomène que je soulignais également, qui est la résistance, la résilience de la demande domestique. Ceci se traduit dans les chiffres par le fait que la croissance des importations mondiales hors Union européenne devrait fortement ralentir cette année, passant de 4,1% en 2018 à seulement 0,4%
voyez que c'est presque un effondrement de ce point de vue-là. Et ça devrait ensuite se redresser en 2020 et 2021 à 2,1% et 2,5% respectivement, ce qui reste bien sûr très en deçà de la tendance de long terme. Tout ceci a des répercussions sur l'industrie manufacturière qui, depuis plus d'un an, se contracte suivant l'évolution mondiale. En revanche, les secteurs davantage tournés vers la demande intérieure, comme la construction et surtout les services, continuent de croître. L'Allemagne est évidemment le pays le plus touché par cette contraction manufacturière en raison de ce que chacun sait, c'est-à-dire la part élevée de cette industrie dans son PIB, mais aussi du fait de l'importance des produits industriels dans ses exportations. En revanche, les économies d'Europe centrale et orientale ont poursuivi leur très forte croissance, et ceci grâce à des marchés du travail particulièrement dynamiques et à l'absorption des fonds européens. Je note ce paradoxe constant que dans des pays où on critique assez fortement parfois l'Union européenne, la croissance même de l'économie et de l'emploi se fait précisément grâce à elle, ce qui devrait, je crois, relativiser certaines positions politiques. Mais je sors là de mon rôle, mais vous me le pardonnerez, c'est ma dernière surprise partie, et donc je peux m'exprimer un peu plus librement. Cependant, nous attendons à ce qu'un ralentissement de l'activité affecte également ces économies, car des effets de contraction, de contagion, via les chaînes de production transfrontalières, sont maintenant susceptibles de se mettre en place. Tout ceci fait que l'économie européenne devra, on le voit, s'appuyer sur des sources de croissance qui sont essentiellement nationales. La croissance de la consommation privée a relativement bien résisté, mais elle devrait légèrement reculer cette année. Pourquoi ? Parce que les ménages ont accru leur épargne. La consommation devrait continuer à croître à un rythme en gros similaire d'ici 2021, dans un contexte de ralentissement de la croissance de l'emploi. L'investissement des entreprises devrait, lui, ralentir ces deux prochaines années sous l'effet de l'incertitude accrue, de la baisse des marges bénéficiaires, des faibles attentes en matière de bénéfices des sociétés. Et enfin, la contribution du commerce extérieur à la croissance économique de la zone euro devait être négative cette année et devenir quasi neutre en 2020 et 2021 parce que le ralentissement dû à l'environnement extérieur devrait, je l'ai dit, diminuer avec le temps. Dans un contexte qui est toujours plutôt bien orienté, le potentiel de croissance de l'emploi est toutefois devenu plus limité. C'est particulièrement le cas dans l'industrie manufacturière, ce qui est logique compte tenu des ralentissements qui l'affectent, où l'accumulation de la main-d'œuvre a déjà eu lieu dans certains pays, malgré la sous-performance du secteur, et donc on ne peut pas attendre là beaucoup de nouveaux emplois créés. Les données d'enquête de la Commission sur les perspectives d'emploi suggèrent un ralentissement marqué de la création d'emplois. Les attentes en matière d'emploi dans les secteurs manufacturiers et des services divergent maintenant, ce qui reflète très clairement les différences de performance entre les secteurs. Néanmoins, et ça c'est une très bonne nouvelle, la situation du marché du travail devrait rester relativement favorable, avec une croissance de l'emploi à un rythme toutefois plus modéré. L'évolution de la composition sectorielle de l'emploi vers des secteurs à plus faible progression de productivité, tels que les services, devrait permettre des gains d'emploi plus importants, malgré une croissance économique plus faible. C'est un paradoxe qui n'est en réalité qu'apparent. Ce qui fait que, en zone euro, le chômage devrait baisser de 7,6% cette année, à 7,4% en 2020, 7,3% en 2021. Dans l'Union européenne, il serait de 6,3% cette année, avant de se stabiliser à 6,2% dans les deux prochaines années. Vous voyez donc qu'on est quand même sur une tendance en termes de taux de chômage qui est plutôt à la stabilisation qu'à la poursuite d'une diminution marquée. Now, switch to English. Sorry for that. I'm sorry because I thought that I could do it in French totally for the last session. But well, that's not how things are in the Commission. Not yet. We'll see what happens with Brexit. As I always said, after Brexit, English is forbidden everywhere. Don't worry. It's just a joke. It will be very strong for those who are attached to it. In the euro area, monetary policy remains supportive. Upward pressure on nominal interest rates should
stay very limited due to the subdued growth and inflation outlook, as well as recent ECB decisions. As you can see on the chart, which is behind me, real short and long-term rates are likely to remain negative in the period ahead. Funding costs for the private and public sectors are thus also expected to remain very supportive. Euro area inflation has been on a downward trend in 2019, largely because of falling energy prices. Core inflation, the inflation which excludes energy and unprocessed food price developments, remained also very low. In a context of weak demand, firms have been absorbing labor cost increases by accepting lower profit margins rather than by raising prices. Inflationary pressures should remain muted given the subdued growth forecast and the assumption of moderately declining oil prices. So the figures are such that in the euro area, inflation is projected at 1.2% this year and next at 1.3% in 2021. So now I move to the European Growth Map 2020, saying that I'm sorry that it was leaked and that I deeply regret that, and that is something that cannot remain without an internal inquiry, because you are the ones who should have the exclusiveness of those figures and nobody else. Among the largest economies, GDP growth is expected in 2020 to be at or above the EU average, only in Poland at 3.3% and in Spain at 1.5%. Growth in Germany should pick up to 1% in 2020 after 0.4% in 2019. Part of this, however, reflects a higher number of working days next year. Underlying growth dynamics are set to remain quite subdued. Domestic demand should prove strong enough to generate growth as private consumption continues benefiting from robust wage increases. S'agissant de la France, nous prévoyons une croissance de 1,3% en 2019 et 2020. Pourquoi ? Parce que la consommation privée, soutenue par l'amélioration continue de la situation du marché du travail et par les mesures budgétaires prévues, devrait se renforcer et compenser le ralentissement des investissements qui marquent l'ensemble de l'économie européenne. Italy is expected to grow by just 0.1% this year and by 0.4% in 2020. A positive contribution from net trade this year and moderate growth of household spending next year should help the economy. Domestic demand is unlikely to be boosted much by the labor market, as employment and wages are set to grow only very moderately. In Spain, as I said, real GDP growth is expected to continue decelerating from 1.9% this year to 1.5% next year, which is still well above the EU and Eurozone average. Private consumption growth is projected to remain subdued as households are forecast to increase further their precautionary savings amid growing uncertainty. In the UK, still for the time being an EU member, so we have to forecast it. Growth is set to be at 1.4% over the next 2 years. The still relatively robust real wage increases in employment growth should support private consumption, but continuing uncertainty about the UK's future relationship with the EU is likely to weigh on business investment. So I must recall that our forecast is based on a purely technical assumption of status quo in terms of trading relations between the EU27 and the UK. Now let's move to public finances. In 2018, the aggregate public deficits of the EU and the euro area fell to their lowest levels since 2000. Over the next 2 years, the euro area deficit is expected to increase only slightly, from 0.8% in 2019 to 0.9% in 2020 and 1% in 2021. The euro area aggregate fiscal stance, which is measured by the change in the structural balance, is projected to remain
broadly neutral. Concerning public debt, the euro area's debt to GDP ratio is set to decline further from 87.9% in 2018 to 84.1% in 2021. Similarly, in the EU, debt is expected to decline from 81.9% in 2018 to 78.4% in 2021. This deleveraging should find support from nominal GDP growth remaining higher than the very low implicit interest rates paid on outstanding debt. Although the aggregate euro area deficit is forecast to increase in 2020, all euro area member states are projected to run deficits of less than 3% of GDP. That's an old story now. Within the EU, only Romania is forecast to have a deficit well above 3% of GDP in 2020. Among highly indebted countries, the picture in terms of deficits is varied. Deficits are set to increase in Italy and Belgium, but too narrow in France, as a negative impact of a specific one-off measure called the CICE, which I know well, having been responsible for its creation a few years ago, affecting 2019, fades now. Two countries where the turnaround in public finances had been partly striking are Portugal, which is projected to run a balanced budget next year, and Greece, which plans a large surplus for 2020 in line with the commitments made under the enhanced surveillance procedure. And having dedicated quite a bit of my time for those two countries, these are good news when leaving the Commission. Several countries that have been running surpluses will see these decline in 2020, mostly due to expansionary fiscal policies in Denmark, Cyprus, Netherlands, Luxembourg, and to a lesser extent, Germany. As I said in my introduction, the EU economy faces a period of high uncertainty related to trade and other economic policies. Downside risks to the outlook remain highly interconnected, which should magnify their impact. These include further increases in uncertainty, which could lead us to a worse outcome than envisaged, a further escalation in US-China tension, although this is not a tendency right now, and a sharper than forecast slowdown in China. Within the EU, negative spillovers to other sectors from the manufacturing construction might build up, and this could finally impact jobs and confidence and weaken private consumption. A failure to secure an orderly Brexit would also affect growth, although more so in the UK than in the EU27. Finally, to end up on a more positive note, it is clear that the de-escalation or a resolution, who knows, of economic and trade tensions would boost economic growth both outside and inside the EU. To conclude, I would say that the road ahead for the EU economy is obviously challenging now. Even though all member states are expected to grow still in the coming years, but as I said, at a very moderate rhythm. Given the numerous risks, we must intensify efforts to further strengthen the resilience of our economies and of the euro area as a whole. Mario Draghi, whom I want to pay tribute today, is right. Monetary policy alone cannot carry the burden when the economy is weakening. Ministers had a constructive discussion on last Eurogroup on the fiscal stance in the euro area. It will be for the new Commission to provide the necessary steer in the coming months and year. I expect also quite a bit of continuity, and I hope this will be the case, but that's not my business anymore. I'm now ready to take your questions.